my channel. Again, just kidding. Welcome back to my channel. You see Anissa, aka The Work Natural, and I'm sorry because I don't post that much on my YouTube channel. But donc je suis là aujourd'hui. C'est bien. N'oubliez pas de like, subscribe, comment, share, notification bell. Yeah. Donc aujourd'hui, je vous parle des 5 étapes pour avoir une bonne routine capillaire. 5 étapes, guys. 5. Juste 5. Pas 10, pas 20, 5. Un produit par étape. Donc, 5 produits. On a juste besoin de 5 produits. I know. Some of you are shocked. Some of y'all are shocked. Okay? 5 produits. I know I was a product junkie too. Yeah, I still am actually, but I'm working on it, guys, okay? Donc, j'ai juste découvert certaines choses récemment et je vais juste partager ça avec vous, en fait. Donc, il faut vraiment juste 5 produits pour prendre soin des cheveux naturels. Et aujourd'hui, je vous partage mes trucs pour vous aider justement à démêler tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de spéciaux en ce moment, puis qu'on serait toutes tentées de prendre 12 crèmes hydratantes avec 4 shampoings. Puis genre 80 masques parce qu'on aime ça les traitements. But stop, déposez, comment, how do we say wallet in French? Marcelle, how do we say wallet in French? Portefeuille. Déposez vos portefeuilles, vos cartes de crédit, cartes de débit. Écoutez cette vidéo, puis après ça, vous pouvez aller acheter. Donc, première étape pour avoir une bonne routine capillaire. Number one, un shampoing. Il faut juste un shampoing, guys. Mais en fait, il y a deux types de shampoings. Mais comme il en faut juste un des deux, pas besoin de faire comme deux shampoings. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Tout dépendant à quel point vos cheveux sont sales. Tu sais, après une coiffure peut-être riche, je comprendrais que... Whatever. Il y a deux types de shampoings. Donc, le premier type de shampoing, un cleanser. Donc, les cleansers, c'est des shampoings qui sont un peu plus agressifs sur le cheveu. Donc, ceux-là, tu sais, agressifs, pas dans le mauvais sens, mais tu sais, ils vont vraiment juste tout enlever. C'est les cleansers, c'est vraiment idéal après des coiffures protectrices comme ces locks, ou sinon tu sais quand ça fait un moment que les cheveux ont pas été lavés, tu sais après avoir sué des trucs comme ça, c'est important d'utiliser un cleanser pour vraiment juste tout enlever one shot puis être sûr que comme il reste plus rien sur le cheveu. Les cleansers tu sais ont tendance à laisser les cheveux comme squeaky clean, tu sais vraiment vraiment clean, c'est comme there's nothing there, nothing. Des fois, ça peut être un peu dry. Ce n'est pas une mauvaise chose si on fait les autres étapes pour juste réhydrater les cheveux. Moi, tu sais, tout ce qui est shampoing à base de savon noir africain, je rentre ça dans la catégorie cleanser. Habituellement, ça nettoie pas mal tout. Fait que souvent, j'y vais avec ce genre de shampoing-là quand je veux nettoyer mes cheveux en profondeur. Les autres types de shampoings, ça va être des shampoings plus doux. Les shampoings doux sont idéaux, tu sais, pour les gens qui se lavent les cheveux à chaque semaine ou deux semaines, ou tu sais, ça a une fréquence un peu plus rapprochée. Parce qu'en fait, tu sais, utiliser un shampoing cleanser trop souvent sur les cheveux, ça peut juste comme être un peu trop fort, un peu trop agressif sur les cheveux. Dans ce temps-là, c'est pas la meilleure des choses. Fait que tu sais, si tu te laves les cheveux comme à chaque semaine ou deux semaines, j'irais probablement avec un shampoing doux qui laisse un peu les huiles naturelles puis les huiles que tu as mis sur tes cheveux. Comme ça, tu repars pas nécessairement à zéro dans ta routine capillaire. Fait que oui, c'est ça. Puis aussi les cleansers, genre, je vais en utiliser aussi si jamais je contrepasse mes cheveux après. Je vais utiliser un cleanser juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de graisse, quoi que ce soit, parce qu'on sait que, you know, it's not a good idea to put oils and, you know, hot stuff, but whatever. Ça, c'est une catégorie à part. Donc, c'était tout pour la première étape. Deuxième étape pour avoir une bonne routine capillaire, un masque hydratant. Il y a deux types de masques hydratants. Donc, on a les masques hydratants, et on a les masques hydratants protéinés, ou les masques protéinés tout court. Donc, c'est vraiment l'étape où est-ce que, comme après le shampoing, on va juste réintroduire un peu l'hydratation en profondeur, bien sûr, dans les cheveux. Vous allez remarquer que j'ai pas mentionné de conditioner, parce qu'un masque, ça rentre dans la catégorie deep conditioner. Deep conditioner. Donc, le masque va aller revitaliser les cheveux en profondeur. Deep conditioner. Donc, c'est pour ça que je me permets de sauter l'étape du conditioner. Puis, sincèrement, ça fait environ un an que je fais ça, puis mes cheveux sont très corrects. Donc, je me permets de sauter l'étape du conditioner, puis je passe tout de suite au masque.
Donc, les masques hydratants, c'est ceux-là qu'on doit faire vraiment une fréquence plus rapprochée, fait qu'à chaque semaine ou aux 2 semaines. Et les masques protéinés, idéalement à chaque mois, une fois par mois. Puis surtout, si vous avez les cheveux comme peu poreux, c'est encore plus important de respecter le 1 mois parce que les cheveux à porosité faible, pardon. Ils n'aiment pas beaucoup la protéine. Fait qu'une fois par mois, c'est vraiment idéal. Juste pour donner un petit boost, un petit... aux cheveux. Juste un petit... Yeah. Comme ça. Fait, juste un petit... Yeah. Vous comprenez. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que les masques hydratants, les masques protéinés, c'est la différence entre les deux. Puis voici comment utiliser les deux. Fait que ça, c'est la deuxième étape. Presque. On est déjà presque halfway through. D'une bonne routine capillaire. C'est pas compliqué comme ça. Fait pour tout ce qui est sous la douche, lavage de cheveux, shampoing et masque, that's it. Ensuite, les 3 prochaines étapes, ça rentre dans la catégorie où est-ce qu'on va hydrater les cheveux. Fait qu'il y a 3 étapes à respecter. Premièrement, un liquide. Quand on parle de liquide, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un leave-in, donc une genre de crème, mais très légère, c'est très liquide, qu'on met sur le cheveu. Ça peut être aussi un vaporisateur, fait qu'un vaporisateur d'eau maison ou un vaporisateur d'eau, tu sais, comme moi, j'utilise des fois celui qui s'appelle Ni de la compagnie Ayakaona, qui est comme une eau infusée avec des herbes et des huiles essentielles. Fait que, tu sais, c'est vraiment au choix, mais le but, tu sais, d'avoir un liquide, c'est vraiment comme de préparer les cheveux à recevoir l'hydratation. Donc, pour toutes celles, ceux et celles, en fait, oui, parce qu'il y a des gars aussi avec des cheveux longs, non? Qui prennent soin de leurs cheveux. Pour ceux et celles qui hydratent leurs cheveux, hydratent avec de l'eau, vos cheveux ne sont pas hydratés. I'm sorry. Vos cheveux ne sont pas hydratés parce que l'eau prépare les cheveux à recevoir l'hydratation, mais n'hydrate pas le cheveu. Donc, c'est important les 2 prochaines étapes pour s'assurer que l'hydratation reste. OK? Donc, les 2 prochaines étapes, on parle ici d'une crème et d'une huile. Je donne les 2 étapes en même temps parce qu'en fait, on peut les changer de place. Donc, on peut mettre l'huile avant et la crème après ou la crème avant et l'huile après. Tout dépendant le type de cheveux, tout dépendant la personne. Par exemple, ma sœur, elle met l'huile avant et la crème après. Et moi, je fais le contraire. La crème avant et l'huile après. OK, je t'ai mélangé un petit peu. C'est ça. Donc, on a comme les mêmes petits outils, mais on va échanger, on va dire, la place de ces 2 éléments-là. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise chose de changer. Il n'y a pas une recette qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment du type de cheveux. L'étape la plus importante, c'est vraiment la crème. Parce que moi, tu sais, on va dire, si j'utilise le mauvais shampoing, le mauvais masque, le mauvais leave-in ou la mauvaise huile, sauf si c'est du coconut oil, mes cheveux vont survivre. Mais si j'utilise la mauvaise crème... Yeah. Donc, choisir une crème qui est adaptée à ses cheveux, c'est vraiment important. Puis, qu'est-ce qu'il faut considérer pour choisir la bonne crème? Juste une chose, la porosité de vos cheveux. Si vos cheveux sont peu poreux, on y va avec des crèmes un peu plus légères, qui ne sont pas trop lourdes sur le cheveu. Si vos cheveux sont très poreux, comme les miens, on y va avec des crèmes un peu plus thick, un peu plus riches, avec de la protéine. Idéalement, ce serait bien aussi. Donc, c'est vraiment les 2 choses à considérer, la porosité, puis est-ce qu'il y a de la protéine ou pas. T'sais, s'il y a de la protéine dans la crème, si vos cheveux sont peu poreux, run. Don't try it. Mais ça va pas comme tuer vos cheveux, mais comme à la longue, ça pourrait être une mauvaise chose. L'important avec les cheveux, c'est de bien les hydrater. Merci, Marcel. OK. What was I saying? Il m'a mélangé. Ouais, bref, pour les crèmes, faut considérer la porosité. Donc, savoir est-ce qu'il y a de la protéine dedans, est-ce qu'il n'y a pas de protéine dedans, est-ce que c'est assez léger ou pas. Puis aussi, c'est de regarder les ingrédients pour savoir s'il y a des ingrédients là-dedans que vos cheveux n'ont pas aimé. Moi, je sais que si je vois habituellement coconut oil, genre il y a certaines exceptions, mais habituellement si je vois qu'il y a de l'huile de noix de coco, je reste loin parce que c'est un produit que mes cheveux aiment juste pas, alors que pour certaines personnes c'est vraiment comme leurs cheveux aiment beaucoup ça. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Puis ensuite, la dernière étape, on parle de l'huile. Donc une huile ou un sélant, en fait, si on parle d'un corps graisseux, fait qu'on peut utiliser du beurre de karité.
On peut utiliser des huiles de différentes textures, de différentes densités. Fait que moi, c'est une des huiles que j'aime beaucoup, tu sais, avec mes cheveux très poreux. J'aime beaucoup l'huile de ricin, donc l'huile de castor. C'est quand même assez riche, donc pour les gens avec les cheveux peu poreux, c'est pas l'idéal. Mais pour moi, mes cheveux aiment ça. J'aime aussi l'huile d'avocat. J'aime aussi l'huile de jojoba, but it's expensive. It's expensive, guys, okay? Donc, c'est vraiment rare que j'utilise de l'huile de jojoba, because I'm still studying. I'm still being robbed by the system, so I cannot afford it, okay? Donc, c'est ça. Puis le beurre de karité, ça va être bon aussi pour les cheveux très poreux. Pour tout ce qui est cheveux, tu sais, à faible porosité, j'irai vers des huiles un peu plus light, comme l'huile d'avocat, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive, quelque chose qui va pas juste comme rendre les cheveux trop lourds. Fait que c'est ça. Fait que, guys, c'est tout. 5 étapes. Shampoing, masque, leave-in ou liquide, oil and cream. Si vous avez ces 5 étapes-là, vos cheveux sont corrects, dans le fond. Tout ce qui est additionnel est non nécessaire ou particulier à un style de coiffure. Fait, additionnel, ce serait comme, on va dire, les gels, c'est comme ce que j'ai utilisé pour les edges ou tout ce qui est comme les soufflés, les twisting soufflés, des trucs comme ça qui vont vraiment donner une définition, on va dire, pour un twist out ou un braid out. C'est ça, c'est des produits sélectionnés pour un certain style, mais à la base, c'est vraiment les 5 étapes que vous avez besoin de respecter pour vous assurer que vos cheveux sont en santé et hydratés. Et c'est tout. You're welcome. C'est tout, guys. C'est vraiment tout. J'essaie de chercher qu'est-ce que je pourrais rajouter, c'est vraiment tout. Non, je vais faire le bye cette fois-ci parce que mon dernière vidéo, j'avais oublié. Fait que merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de like, subscribe, share, notification, activez vos notifications, yeah. Je vais dire notification bell, but that doesn't mean anything. So, activez vos notifications. Puis, à la prochaine, guys. Puis, si jamais vous seriez intéressé à savoir comment faire ce style, c'est des locks individuels, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Let me know in the comments. Si vous avez des questions pour ma prochaine vidéo, let me know in the comments also. N'oubliez pas de me follow sur mes différents réseaux sociaux. Sur mon notre réseau social qui est Instagram, parce que ça vaut pas la peine sur Facebook et Twitter, I still don't get it. Whatever. Donc, ciao, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!